Yvous me dit en début de championnat, je pensais que même si Montpellier est faible cette saison, il y a plus faible qu'eux. J'ai comme un doute maintenant, si on se lance dans des suppositions, quelles sont les deux équipes qui descendront et celle qui fera les barrages? Je pense qu'il y a quand même quatre équipes qui se dégagent vraiment pour la lutte pour le maintien. C'est Angers, Saint-Étienne, Le Havre et Nantes et Montpellier. Je pense quand même que sur la durée, Toulouse devrait reprendre un petit peu ses distances avec cette zone rouge. Il y a quelque chose de cassé à Montpellier, clairement. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu en bout de course. Je pense notamment à Savagnier, que je trouve extrêmement inquiétant depuis le début de la saison sur son rendement sportif. Alors là, en plus, il nous a fait encore le coup du geste d'humeur qui lui a valu un carton rouge et qui va lui valoir, vu que ça lui arrive très régulièrement, ça va lui valoir minimum 2 matchs. Donc voilà, il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas une ferveur populaire extraordinaire non plus, loin s'en faut à la Mausson. Laurent Nicolin multiplie les déclarations qui ont heurté, je pense, aussi les supporters montpelliérains quand il dit que DAZN, ça coûte le prix d'un resto. C'est probablement la déclaration la plus catastrophique de ce début de saison dans le foot. Donc effectivement, ça sent vraiment pas bon pour Montpellier. Et Jean-Louis Gasset, qui arrive derrière Derzakarian, j'ai peur que ça serve malheureusement pas à grand-chose. Yvous, toujours? La déculottée madrilène hier face au Barça est-elle liée au fait que le Real a des individualités, mais pas encore un collectif qui peut ou doit travailler Ancelotti pour améliorer son équipe? Mais depuis le début de la saison, le Real joue mal. Depuis le début de la saison, il a fallu un miracle et une masterclass de Vinicius pour que le club en Ligue des Champions revienne de 0-2 contre Dortmund pour finalement l'emporter 5-2. Cette équipe n'est pas équilibrée, cette équipe a en plus, alors je sais bien qu'en France, de toute façon, on a l'impression qu'au Real, il n'y a que Mbappé. Mais quand on regarde les matchs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que Mbappé. J'y reviendrai parce que j'ai évidemment pas mal de questions sur ce classico et sur Mbappé. Mais ok, Mbappé a complètement raté son match, il a été nullissime, mais il y en a d'autres, hein. Je dirais Bellingham, Vinicius, Tchouaméni, Mendy n'ont pas été meilleurs. Et moi, il y a quelque chose qui me sidère, surtout venant de la part d'un grand club comme ça, c'est que Toni Kroos a pris sa retraite et on pense que ça va passer crème. On pense que ben, sans lui, non, voilà. Non, on va pas chercher à le remplacer, on va pas acheter un autre joueur, on va pas casser sa tirelire, parce qu'ils ont du mal à la casser leur tirelire, les Madrilènes. On va pas casser sa tirelire pour faire venir Rodri au Real, on va pas. Et il y a un déséquilibre patent dans cette équipe, qui vient aussi de la présence de Mbappé, qui en plus ne joue pas à son poste, mais qui oblige du coup Bellingham à jouer dans une position plus reculée, où il ne brille pas et n'apporte rien à l'équipe, mais c'est surtout l'absence de Toni Kroos qui est dramatique pour cette équipe. Et puis il y a aussi la blessure de Carvajal qui est compliquée, l'absence de Courtois. Il y a plein d'explications. Et puis il y a aussi un autre truc, et comme l'a dit d'ailleurs très justement Ancelotti, la dernière fois que le Barça a gagné 4-0 au Real, le Real a gagné la Ligue des Champions et la Liga. Donc, le Real nous a fait trop souvent le coup de faire un des débuts de saison tout moisi où on se dit cette année ça va être la crise, pour finalement arriver en soulevant la coupe aux grandes oreilles à la fin de la saison, pour que je sois un petit peu plus prudent. Jackie Boy me dit, peut-être que je ne suis pas réaliste, mais pourquoi à chaque match depuis le début de la saison, Marseille se fait arnaquer par l'arbitre? Je suis parano ou pas, ça commence à faire beaucoup depuis le début de la saison. On va pas reprendre l'intégralité des faits d'arbitrage, d'autant plus que là où l'arbitrage a fait beaucoup causer contre Marseille, c'est à Lyon, et Marseille avait quand même gagné. Là, l'expulsion d'Harit, bah, je suis comme tout le monde, sur le geste, je la trouve sévère.
Après, effectivement, alors visiblement, il y a un angle de caméra que DAZN n'a pas daigné nous montrer. Il y a effectivement la trace des crampons d'Harit sur le torse de Marquinhos. Donc, et puis l'année dernière, alors pourtant, vous savez que c'est vraiment pas mon genre de faire les brocantes, surtout au niveau de l'arbitrage, mais l'année dernière, le PSG gagne 2-0 au Vélodrome, alors que Beraldo est expulsé, pas très loin d'ailleurs en termes de temps par rapport à celle d'Harit cette année, pour une chose encore beaucoup moins grave. Et de toute façon, le mal était fait déjà. Paris menait 1-0 depuis 20 minutes, Marseille voyait pas la balle, et je pense pas que ce soit l'absence d'Harit qui ait pénalisé l'OM sur le plan défensif. Ah, disons que c'est cette erreur supposée d'arbitrage va permettre aux Marseillais de trouver une raison de botter en touche par rapport à leur consternante prestation contre le PSG. The Alix me dit « Le manque d'efficacité du PSG en Ligue des Champions est-ce dû selon toi à la mauvaise finition des joueurs ou à un manque de confiance des joueurs dans les matchs importants ?» Bah, de toute façon, mauvaise finition, ça vient souvent d'un manque de confiance. Ce qui est évident, c'est qu'avec de l'efficacité, le PSG aurait largement remporté son match contre le PSV Eindhoven. Je sais pas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas, même si pour l'instant, je considère que Barcola, en termes d'efficacité devant le but, surperforme par rapport à son niveau dans cet exercice. Je pense qu'il n'y a pas dans cette équipe du PSG un joueur capable de marquer 20 buts cette saison. Et je pense que c'est un problème. Vince me dit, le premier tour du Rolex Paris Masters commence lundi. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que spectateur et téléspectateur? Moi, j'aime beaucoup ce tournoi. D'abord parce que du temps où je faisais les tournois de tennis, j'étais infiniment meilleur en indoor qu'en outdoor. Et bien meilleur sur des surfaces comme la moquette ou des linos, des trucs comme ça. C'était vraiment là où mon jeu d'attaquant gaucher se performait le mieux. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est que grâce à Canal, j'ai pu commenter des matchs deux années de suite. J'ai commenté un match de Richard Gasquet, je ne sais plus contre qui, et j'ai commenté deux matchs de Federer. Un contre Seppi et un contre Fognini, ce qui m'a d'ailleurs permis de rencontrer deux fois Roger. Parler deux fois dans ma vie à Roger, qu'est-ce que vous voulez que j'ai plus beau comme souvenir pratiquement de ma vie professionnelle? Gifeu, des idées de gêneux, me dit « Que penses-tu du système de Carlo Ancelotti? Peut-il se permettre de rester si offensif et qui mettre sur le banc Mbappé, Bellingham, Valverde ?» En sachant que Vinicius est prétendant au Ballon d'Or. Bah déjà, je mettrais pas Valverde dans cette possible rotation, parce que Valverde, lui, au moins, il travaille au milieu. Bellingham, il essaye de travailler au milieu, mais c'est pas fait pour lui. Le problème, c'est surtout cette complémentarité inexistante entre Mbappé et Vinicius, même si pourtant les deux ont l'air d'humainement bien collés, bien matchés ensemble. Je pense qu'en si Vinicius était obsédé par son ballon d'or, et peut-être que le fait de le recevoir ce soir va lui permettre d'être peut-être un petit peu plus décontracté. Il est évident que si c'est pour faire jouer Mbappé dans cette position véritable de numéro 9, c'était pas lui qu'il fallait recruter. Je pense que peut-être que le retour d'Alaba solidifiera la défense madrilène, le retour de Courtois aussi. Mais encore une fois, Kroos n'a pas été remplacé, je suis désolé. Geoffrey Gagneur me dit, ça fait deux semaines de suite que le LOSC nous offre une purge dans un match qui est censé être une affiche. Penses-tu que ce soit volontaire de leur part? Ben, faut pas oublier non plus que Lille a énormément de blessés et que Lille, notamment sur le plan offensif, est privée d'Aralson, au milieu de terrain de Bentaleb. À Monaco, il me semble bien que Benjamin André était suspendu. Donc voilà. Et puis on parle de matchs à l'extérieur où forcément... tu souffres, forcément, t'es derrière. Ça marche. Ils ont un gardien extraordinaire. Ils ont une charnière centrale qui
fait pas beaucoup le buzz Diakité Alexandro, mais qui est quand même très puissante. Voilà. Effectivement, on peut pas dire qu'on se régale en termes de football, mais bon, les résultats, ils sont là, et c'est sacré résultat quand même, y compris en Ligue des Champions. Alex Nissa du 06, encore et toujours. André Santos a été de nouveau éblouissant avec Strasbourg contre Nantes. Les supporters strasbourgeois qui râlent tant sur Blouko devraient-ils se rendre compte que c'est grâce à Blouko qu'ils ont un joueur comme André Santos? Ah ça, mon pauvre, à qui le dis-tu? Je veux dire que si Blouko, parce que faut arrêter de parler de Chelsea. Je veux dire, Chelsea n'a aucune influence dans la vie du Racing Club de Strasbourg. C'est Blouko qui est propriétaire des deux clubs. Et je suis désolé sur ce que je vois. Il y a évidemment un club qui est un grand club d'Europe, Chelsea, et Strasbourg qui, je suis désolé pour l'instant, est un petit club français de Ligue 1 qui, pour l'instant, jusqu'à présent, jouait le maintien. C'est donc normal que des joueurs de Chelsea viennent faire profiter Strasbourg de leur niveau. Mais il faut bien se rendre compte que la présence d'un joueur de la dimension d'André Santos, qui pour moi peut jouer partout, hein, y compris au PSG, et y compris dans des grands clubs européens, c'est un cadeau, et que normalement, comme je l'ai dit dans mon débrief de matière, normalement, à Strasbourg, il leur donne même pas l'heure. C'est un joueur qui est toujours bien placé, qui est combatif, qui récupère beaucoup de ballons, qui aère le jeu, qui casse des lignes, qui met des buts. Voilà, je pense qu'il a une réelle chance d'être à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, s'il continue comme ça. Et effectivement, je veux dire, entre lui, Petrovic et Wiley, qui est maintenant blessé depuis plusieurs semaines, voilà, les trois joueurs prêtés par Chelsea, sachant que Wiley avait été supervisé par le club de Strasbourg, que Marc Keller était allé même aux États-Unis rencontrer le joueur et ses parents. Donc c'est, voilà, enfin, je suis fatigué semaine après semaine d'essayer d'expliquer aux gens que être contre la multipropriété, c'est une posture, et qu'il y a des cas, à part. Et je pense que la manière dont Blouko gère, pour l'instant, les deux clubs, elle est parfaite. Et que ça n'a rien à voir avec City Group, avec 3 par exemple. PJ Hill me dit, que penser de la compo d'Antoine Comboré aujourd'hui, de son coaching en cours de match? Je sais pas, je pense que Moses Simon était un peu juste pour faire ce match. Donc effectivement, s'il est pas là, c'est sûr que ça handicape énormément l'équipe de Nantes. Je pense que l'équipe de Nantes, elle a un total de points loin d'être inintéressant depuis le début de la saison. Et qu'il faut que les supporters nantais arrêtent de rêver et arrêtent de croire que le football de Noé, que cette pseudo va ressurgir de nulle part. Voilà, c'est une équipe qui au début de la saison était bâtie pour la souffrance et qui pour l'instant a un total de points qui l'éloigne de la zone dangereuse. Et franchement, réclamer autre chose, pour moi, c'est vouloir le beurrier et le pou-pou de la crinière.